Hello and welcome Aujourd'hui je commence une série de vidéos pour vous Comme je l'ai fait en fait l'année dernière à la même époque en décembre euh, Si vous vous rappelez pas, vous pouvez aller les... voir la série de 24 vidéos que j'avais fait sur les exclamations en anglais qui sont très utiles, sont en général juste un, un mot ou deux peut-être et c'est très facile à utiliser dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était l'année dernière. Et cette année, euh, j'ai décidé de vous faire des, une série de vidéos sur des phrases, des citations euh, cultes, je dirais, que l'on retrouve au cinéma. Des phrases qui, il est très difficile de contourner de ne pas mettre dans un film en fonction de la situation. Nous allons voir ensemble et décortiquer ces citations de films connus afin de pouvoir les utiliser, peut-être les, les changer un peu et les mettre, les utiliser dans la vie de tous les jours en anglais, bien évidemment. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème En fait, de les, les, les films en version, origina, euh, en version originale, c'est euh, ce qui m'a permis à l'époque de progresser rapidement et bien euh, dans la langue anglaise et je pense que c'est un outil fantastique et, et plaisant en même temps, hein? c'est comme les chansons, hein? ça permet de d'évoluer, de, de faire progresser très rapidement. Alors nous commençons aujourd'hui euh, cette série de vidéos sur les phrases et les citations de films connus Le premier, ça va être la phrase Let's get out of here Let's get out of here C'est tardi, c'est-à-dire euh, partons, sortons d'ici, allons-nous-en Alors, cette phrase, on la retrouve dans plusieurs situations différentes dans les films ça peut être dans un sens de, de précipitation, il y a un danger, ça va être, ça va exploser, ou dans un film d'action, ou quelqu'un va venir nous tuer, ou je ne sais quoi. Et là, on va dire, let's get out of here. Sortons, allons-nous en vite fait. Let's get out of here. Dans un autre contexte, ça peut être... Lorsque euh, on a été assez longtemps à un endroit, dans une pièce ou, ou autre, et que l'on commence à s'ennuyer, donc on va dire, allons-y, sortons, changeons d'air un peu. Hein. Donc c'est la même phrase, let's get out of here. On dit à notre, à notre ami, la personne qui est avec nous, allez, on y va, on s'en va, let's get out of here. C'est barbant, euh, il n'y a plus d'intérêt à rester ici, donc on s'en va. On décide d'y aller pour changer d'air. Let's get out of here. Let's get out of here. Répétez après moi. Let's get out of here. Okay, let's get out of here. Let's get out of here. Vous pouvez le trouver également écrit O U T T A. C'est comme euh, gonna, I'm gonna do that, I wanna do that. Au lieu de euh, bien séparer, c'est un peu euh, pas du slang, mais euh, pas de l'argot, mais euh, du langage vraiment parlé, quoi, de la rue, on va dire. Et vous, vous pouvez évidemment l'utiliser dans beaucoup de situations quand vous voulez, quand vous êtes à un endroit et que vous voulez en partir, en, en sortir parce que soit il y a du danger, évidemment là il faut partir, soit vous vous ennuyez, soit vous avez envie de faire autre chose, vous dites à votre à la personne qui vous accompagne Let's get out of here, Let's get out of here. Ah, excusez-moi, j'ai oublié, je vous mets un lien sur une vidéo euh, d'une chaîne YouTube que j'ai trouvée qui est dans le, dans le cinéma en fait et il y a plein d'extraits à la suite les uns des autres de, ces, de cette phrase euh, culte, on va dire Let's get out of here Comme ça, vous voyez également la, la connotation et les différentes situations dans lesquelles on peut dire cette phrase-là donc, je vous la mets ici. Vous pouvez cliquer sur l'écran et ça vous, comme ça, vous pouvez voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Et tous les accents, les, les intonations et, et les vitesses aussi. Let's get out of here. Let's get out of here. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, à demain. Au revoir.